Terrible nouvelle pour le cinéma tunisien. Mardi 28 juin 2022, Hichem Rostom est mort, à l'âge de 75 ans. Alors qu'il était une grande star dans son pays, CST, le ministère tunisien des Affaires culturelles, qui a fait part de sa disparition, sans préciser les causes de sa mort. Il est l'un des acteurs les plus éminents de la Tunisie. Il a participé à un nombre important d'œuvres théâtrales et cinématographiques, nationales comme internationales, peut-on ainsi lire dans un communiqué qui a été relayé sur Facebook. En France, Hichem Rostom était connu pour avoir joué dans Le Patient anglais, avec Juliette Binoche, et Leïl ou la cuisse, aux côtés de Louis de Funès. Le communiqué rappelle que le célèbre comédien avait quitté la Tunisie après avoir obtenu son baccalauréat, pour poursuivre ses études en France. Il y a alors décroché un doctorat en littérature et l'histoire du théâtre. Avant de se lancer dans sa carrière de comédien, il a travaillé comme animateur au Théâtre National Populaire avant de se lancer dans le cinéma. Durant 50 ans, il a multiplié les participations dans de nombreux films tunisiens, français, italiens, anglais et allemands. Hichem Rostom a joué dans de nombreux films et séries en Tunisie lorsqu'il était de retour en Tunisie en 1988. Il a joué dans de films et des séries de télévision qui ont connu un fort succès. Même s'il n'était pas vraiment connu en France, le comédien était considéré comme le plus célèbre acteur de sa génération. Pour l'heure, la date de ses obsèques n'est pas encore connue, mais il devrait y avoir du monde à lui rendre hommage.